Je suis Léopold Mbengtunga. Je viens du Cameroun. Je suis le coordinateur d'une ONG qui travaille à l'Est qui s'appelle le CODASC. En fait, moi, c'est Kadiatou Diallo. Je suis malienne. Je suis membre d'une organisation dénommée G-Force. C'est le groupe pour G et Force Formation, Consultation, Études. Moi, je réponds au nom de Serge Nzeza Maketa. Je suis de la République démocratique du Congo. Je travaille dans la société civile, précisément dans l'organisation Conseil d'appui au développement communautaire, où je gère les fonctions d'expert et chargé des questions de gouvernance. Il y avait eu des expériences malencontreuses avec l'administration de l'État qui a montré ses limites. Il n'y a vraiment pas eu de développement local. Comme je l'ai dit, avec la gestion de l'État, les gens travaillent, ils payent les impôts, mais au finish, c'est peut-être les régions qui bénéficient des avantages de ces impôts et pas nous. Donc on s'est dit quand même quelque part, il y a injustice. Lorsqu'on exclut un groupe de gens au processus de la gouvernance, ils ont aussi droit à participer à la gouvernance. Donc chaque groupe, chaque acteur clé du développement doit participer à la gouvernance. Sinon, on pourrait avoir des répercussions néfastes. La gestion, elle est opaque. Quand la gestion est opaque, on va s'imaginer beaucoup de choses et ça donne un lit à la corruption. Ils descendent vraiment auprès de la population pour demander ou pour rendre compte à la population. Non, non. Donc, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Ah, monsieur le maire, pourquoi vous avez dépassé jusqu'à quel montant? Pourquoi? Et puis, on répond. Le Cameroun est un pays très riche, très riche. Quel est ce pays qui a le pétrole, qui a le cobalt, qui a les diamants? Vous voyez autant de richesses que d'autres pays n'en ont pas. Et nous ne décollons pas. Mais allez chercher ça. C'est des problèmes de gouvernance. Le Cameroun. Ah, c'est le Cameroun. Je pense que si on avait la bonne gouvernance, nos gouvernants patriotes ayant en esprit le sens du bien public, mais tout cet argent permettrait d'avoir des routes, d'avoir des hôpitaux, d'avoir tout ce que vous voulez. Avec la décentralisation, on s'est dit que c'est une opportunité pour que la base sache quelles sont les opportunités depuis le haut sommet. Et nous, à la base, comment on peut profiter de ces opportunités-là? Parce que c'est ça aussi. Mon rêve est que le Congo puisse se développer, d'abord, en mettant ses pieds des princes, en appliquant minutieusement les principes de la bonne gouvernance. Et c'est un long processus qui demande du temps, de la formation, de l'information sur les droits et les devoirs du citoyen, de l'État, de l'administration de l'État, de la tutelle auprès des collectivités. Donc ça demande du temps et pour chaque apprentissage, il y a en tout cas quelques problèmes. Mais l'essentiel est de démarrer et de voir quels sont les problèmes, comment il faut trouver les solutions. Et nous pensons que si une bonne partie, n'est-ce pas, s'approprie cette décentralisation et cette gouvernance locale, on peut arriver à améliorer des choses. C'est vrai, ce n'est pas pour demain, mais c'est un travail de longue haleine.